Nous avons arraché le pouvoir au profit des sacrifices, au profit du sang de certains de nous. Un matin, on nous arrache le pouvoir. Le problème est là. Alors la question fondamentale, qu'est-ce que nous devons faire? Je pense un moment, il faut récupérer le pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le pouvoir qu'on a enlevé de notre main, de notre maison, il faut qu'on le ramène. Ce que nous venons de dire n'est pas négociable. Nous avons dit que nous voulons récupérer le pouvoir. Le pouvoir qu'on nous a arraché, nous avons dit que ça, ce n'est pas négociable. Notre pouvoir. Oui, oui. Ce n'est pas négociable. Ça signifie aussi que nous ne démissionnerons pas. Vaille que vaille. Ça jamais. Applaudissez. Aujourd'hui, on veut nous réduire au silence. Ceux qui veulent nous mettre au silence, peu importe. L'histoire nous donnera raison. Ce qui reste, c'est s'organiser pour arriver à ce que nous voulons. La première des choses qu'il faut dans cette bataille, il ne faut pas se tromper de cible. Celui qui vous a insulté publiquement et celui qui vous a giflé publiquement, celui qui vous a giflé publiquement, celui qui vous a déshonoré le plus. Notre cible aujourd'hui, c'est le célèbre. C'est eux qui ont humilié notre Père. C'est eux qui nous ont retiré le pouvoir, que nous avons cherché pendant plus de 5 ans, au prix des blagues, au prix des efforts. Ce sont eux. Ce ne sont pas ceux-là. Ceux qui hier, les partis politiques qui nous insultaient. Ceux-ci ne sont plus aujourd'hui les ennemis. Non. Il faut qu'on explique ça à nos parents. Il faut qu'on explique ça à nos frères. Il faut qu'on explique ça à nos soeurs. Si on comprend la cible, on peut s'accoter et on en a. Bravo! Et ce que je vous dis là, ce problème existe encore dans les cadres. Pour s'en convaincre, il faut aller vous asseoir dans les cafés et écouter. Expliquez à nos frères. Expliquez à nos soeurs. Expliquez à nos parents que aujourd'hui, notre cible, ce ne sont pas les cafés. Et expliquez-leur pourquoi nous marchons avec ces bâtons. On a dit que l'ennemi de ton ennemi est ton ami. Mais aujourd'hui, il combat ses nerfs. Nous combattons ses nerfs. Pourquoi on ne se donne pas la main? Écoutez, il faut qu'on explique ça à nos frères. Quelquefois, quand vous êtes à l'occasion, vous écoutez, il y en a qui disent: marcher avec eux, nous avons trahi Alpha. Non. Dites-leur non. Ouais. Que nous n'avons pas trahi Alpha, nous ne le trahirons jamais. Jamais, jamais. Oui. Mais, à chaque étape de la vie maintenant, il faut savoir toutes les stratégies qui vous permettent d'avancer.